Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Nouveau générique, nouveau décor et une invitée d'exception à mes côtés pour démarrer finalement ce talk show sur cette chaîne où on parle de paranormal, d'histoires qui font peur, de sorcellerie, de spiritisme, plein de sujets qui sont abordés ici sur cette chaîne. Aujourd'hui à mes côtés, Marie qui a créé la plateforme Mystic Moon. Bonsoir Marie. Bonsoir Gilles. Alors je suis ravie vraiment de te recevoir sur cette chaîne. Je te suis depuis quasiment les débuts de ce que tu as créé sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours été impressionnée par ce que tu faisais et vraiment considérée un petit peu comme, je dirais, un peu un mentor. Wow. C'est vrai. parce que j'ai beaucoup appris en suivant ton contenu. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on apprend toujours et que finalement on ne sait jamais vraiment tout. Et que c'est important justement de s'entourer de personnes qui peuvent t'apporter des conseils et t'aiguiller dans ta pratique. Et tu as été cette personne. Donc je souhaiterais déjà tout d'abord te remercier de ça et surtout te remercier de nous faire l'honneur d'être avec nous ici ce soir parce que tu viens de loin, Marie. D'où viens-tu? Je viens de Laponie, au nord de la Suède, mais merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors Marie, est-ce que tu peux déjà peut-être tout d'abord te présenter aux personnes qui regardent mes vidéos et qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, comment tu as créé Mystic Moon, et surtout ce que peuvent apprendre les gens via ton contenu. Je te laisse parler. Alors du coup, moi c'est Marie, je viens du nord de la Suède, en Laponie, comme je disais, où je vis au cœur de la nature et ça m'a permis de développer un autre mode de vie, je pense une autre philosophie de vie aussi, et donc toutes mes pratiques spirituelles et ésotériques ont pris de plus en plus de place dans ma vie. Et puis je suis arrivée à un moment donné de ma vie où j'avais plus d'emploi et où je me suis dit, en attendant de trouver quelque chose, je vais m'adonner à ma passion. Donc j'ai partagé un webzine autour de l'ésotérisme où j'écrivais des articles, j'ai aussi une petite chaîne YouTube où je fais quelques vidéos d'explications. Et ça a plu, en fait. Je pensais pas du tout. J'arrivais un peu de nulle part. Et j'ai eu de plus en plus de demandes. Et finalement, ça a pris tout mon temps. Et donc, j'ai pu mettre en place des activités qui me permettent d'en vivre aujourd'hui. Du coup, c'est juste un rêve incroyable. J'osais même pas imaginer, quoi. Et du coup, je propose plein de choses. Je sais pas si on en découvrira peut-être au fil de la vidéo aussi, parce que ça va être long. Oui, c'est long. Parce que je fais plein de choses. Mais par exemple, en fait, je suis en train d'aménager un espace pour accueillir des retraites spirituelles que j'organise aussi en France, en ligne. Et puis j'ai plein de contenus en ligne pour pouvoir justement apprendre, découvrir. Et moi, mon but au départ, j'ai appelé ça l'ésotérisme pour tous. Oui. Parce qu'il y avait un peu cette difficulté de rendre ça accessible, justement, je trouvais. Et que j'avais vraiment envie que tout le monde puisse s'y retrouver s'il le souhaitait. Mm-hmm. Et donc de donner vraiment beaucoup de méthodes, de pédagogie, d'outils et pas juste des longs discours, quoi. Oui, et puis t'es devenue quelque part aussi, je pense, un peu une référence dans le milieu, parce que tu as reçu par exemple des personnalités du monde de l'ésotérisme dans divers podcasts que tu animais. Donc c'est génial parce que je pense qu'il y a aussi une validation qui s'est faite de toute une communauté quand toi tu es arrivé sur les réseaux sociaux, parce que ton contenu était est vraiment fiable et très recherché et très approfondi. Merci. On n'est pas du tout sur quelque chose qui survole le domaine, mais si vous avez réellement envie d'apprendre d'une manière approfondie. En tout cas, moi, je trouve que tu es la personne référente qui apporte vraiment le plus de contenu, quoi. Mais je pense que c'est ça la difficulté, c'est de réussir à rendre ça accessible sans lui faire perdre de sens, en fait, sans juste survoler les sujets. Et je crois que c'est le plus gros défi que je me suis donné, donc je suis contente si c'est relevé. Oui. Alors, vous avez été très nombreux à répondre à mon appel sur Instagram où je vous avais mis une petite box question. Vous aviez été également très nombreux à me demander de faire une vidéo sur le sujet de l'ésotérisme, sur la pratique de la sorcellerie. Je ne me sentais pas spécialement, et je vous l'avoue complètement, légitime de vous en parler toute seule, parce que vous le savez, moi j'ai une pratique qui est très intuitive et j'ai une pratique qui fait partie de moi depuis que je suis toute petite, assez éclectique en prenant un petit peu à gauche, à droite aussi. Et donc j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui enseigne la pratique. En fait, c'est très difficile de pouvoir répondre à des questions quand on n'enseigne pas. Oui. Quand on a simplement une pratique privée, je trouve ça plus compliqué de donner des conseils sur, tiens, alors oui, je le fais, je donne des conseils que j'ai donné par exemple dans mon agenda que j'ai créé avec Alliance Magique, sur ma propre pratique. Mais comme je n'enseigne pas, c'est compliqué de pouvoir répondre convenablement et on a toujours un petit peu cette peur de ne pas avoir assez bien répondu ou de ne pas être assez
assez complète. Donc c'est pour ça vraiment que je souhaitais que Marie soit là pour pouvoir répondre à toutes vos questions liées à cet univers-là et pour ne pas non plus dire de bêtises, quoi. Alors, j'ai pas la science infuse non plus sur le sujet, mais je vais essayer aussi d'y répondre un maximum. Et je pense que oui, ma force, c'est plutôt la pédagogie. Après, j'ai pas la prétention à tout connaître, tout savoir de toute manière. Je pense que c'est impossible, mais je pense qu'on va réussir à répondre aux questions. Alors, peut-être juste avant de commencer à répondre aux questions, ce serait peut-être bien de nous expliquer un petit peu d'où te vient ta pratique, comment tu l'as élaborée au fil des années, est-ce que tu as ça depuis ta tendre enfance, est-ce que c'est arrivé plus tard, voilà, peut-être expliquer un petit peu comment tu es arrivée à devenir finalement celle que tu es aujourd'hui. Alors ouais, j'avoue que c'est un parcours qui est un petit peu complexe, du coup je vais essayer de faire rapide, mais il n'y a pas eu un matin où je me suis réveillée, où je me suis dit je vais faire de la sorcellerie, ou ça m'a, il n'y a pas eu un déclenchement clair en fait dans ma vie. Ça s'est vraiment fait petit à petit, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc oui, il y a eu des choses, des petites qui se sont mises en place. Moi j'ai eu une expérience de mort imminente suite à un accident de voiture grave. J'ai eu quelques petits traumas comme ça qui ont jonché mon chemin. C'est des choses qui m'attiraient, puis ça, je m'en suis éloignée, puis je suis revenue, je suis repartie. Donc voilà, il n'y a pas eu un moment franc en fait où c'est arrivé dans ma vie. Et c'est surtout aussi des choses qui me sont arrivées que moi qui suis allée vers ça. Donc comme je disais, c'est ces expériences que j'ai eues. Et puis j'ai rencontré plein de personnes incroyables. Voilà. J'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé de me tirer les cartes, des personnes qui m'ont proposé de faire des voyages en état de conscience modifié, enfin des trucs un peu incroyables. Où je suis pas allée vers ça, c'est vraiment venu à moi petit à petit. Au bout d'un moment, c'est mon voyage en Suède qui m'a fait basculer en mode ça peut plus être juste un petit bout de ma vie à droite à gauche, de temps en temps, comme ça. J'ai envie que ça prenne pleinement vie. Ouais, en fait, c'est tellement complexe. Si j'avais un autre petit élément à donner, c'est que. Ça a été aussi fait par des recherches généalogiques. D'accord. Parce que ma famille vient du Berry, en France. Terre de sorcières. Voilà, c'est vraiment une terre de sorcières. Il y a beaucoup de folklore, beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires de sorcellerie. Et encore aujourd'hui, beaucoup. Sorcellerie des campagnes, les rebouteux, les guérisseurs. Enfin voilà, c'est un vivier quoi. Et en fait, moi je connais pas ma famille à part mes parents. Et en faisant toutes ces recherches, voilà, j'ai eu des informations autour d'une grand-mère qui faisait tourner les tables. Et tout ça m'a renforcé en fait cette envie de comprendre. Et du coup, je suis tombée dans la sorcellerie des campagnes. Du Berry, et là après, c'était parti quoi. C'était parti, ouais. Trop bien. Ça doit être génial de venir d'un endroit qui est historiquement parlant et même encore actuellement tellement baigné dans cet univers-là. Alors c'est très marrant parce que l'endroit où moi j'habite, qui se trouve aussi dans la campagne belge, c'est vraiment un nid à pratiquants de toutes sortes, que ce soit des praticiens Reiki, une énergéticienne, une femme qui... Chris, que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est énergéticienne et qui fait des cercles de femmes aussi. Il y a vraiment plein de praticiens ici dans ce coin-ci, et je me suis dit j'ai vraiment déménagé sans le savoir pile au bon endroit, c'est assez fou. Et donc oui, d'habiter sur une terre aussi chargée énergétiquement parlant, ça doit être aussi génial dans sa pratique. Alors moi je n'y vis pas du coup, parce que maintenant je vis en Laponie, mais j'y retourne régulièrement et j'anime des retraites là-bas parfois. Oui, en effet, moi je pense vraiment qu'il est chargé par son histoire et par toutes ses pratiques. Okay. Bon, passons maintenant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, c'est parti. Première question, quelle est la part d'intuition quand on pratique la sorcellerie ? Je pense que la part d'intuition, elle est plus ou moins importante en fonction des pratiques et des personnes qui pratiquent. Parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment justement être complètement à l'écoute de leur intuition et c'est ça qui va les guider dans leur choix et dans comment ils vont explorer, expérimenter leur magie. Et d'autres qui vont vraiment suivre des protocoles avec des traditions qui sont hyper établies, où pour moi, il y a quand même une part d'intuition parce que c'est toi avec ta pratique, donc c'est important qu'elle soit personnalisée en fonction de toi, mais qui est quand même restreinte dans le cadre de traditions vraiment établies, quoi. Il y a une part d'intuition, mais il y a une part de connaissance aussi qui est très importante. Oui, c'est-à-dire que ton intuition, je pense qu'elle va être beaucoup plus facilement... elle va beaucoup plus facilement se révéler quand, justement, elle va être dans un cadre où tu comprends ce qui se passe. C'est-à-dire qu'être à l'écoute de soi, c'est une connaissance et une compréhension de soi, c'est ça l'intuition, hein, c'est se comprendre, se connaître et s'écouter. Mais pour que ça prenne place pleinement, il faut que ça se fasse dans un cadre où tu comprends aussi ce que tu fais, quoi. Bien sûr. Donc c'est une connaissance, par
par exemple des diverses herbes ou plantes que tu peux utiliser, à partir du moment où tu connais bien, tu vas avoir l'intuition qui arrive et tu vas savoir exactement quel type de plante utiliser, non pas parce que alors tu les connais et tu connais leurs vertus, mais parce que tu sais que pour ce dont tu as besoin, ce sera cette plante qui sera la plus appropriée parce que tu vas avoir cette intuition vers cette plante. Ouais. C'est plutôt comme ça alors que tu le vois. C'est intéressant l'exemple que tu donnes parce que j'irais peut-être même un peu plus loin en disant est-ce que c'est pas aussi une relation qui s'établit avec la plante et que finalement cette part d'intuition, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de communication avec la plante où ben, tu perçois des choses et avec ça ben, tu peux faire des choix dans ta pratique quoi. Alors justement on va embrayer sur la seconde question qui je trouve match très bien avec ce dont on vient de parler, c'est les différents types de sorcellerie. Oui. Parce que tu parlais là tout de suite de sorcellerie de campagne. Oui. Est-ce que ça s'apparente plus à une sorcellerie, à une magie verte par exemple? Quels sont les différents types, les différents créneaux qu'on peut avoir dans la magie? Alors, il y a énormément de pratiques à travers le monde et à travers les époques aussi, et donc c'est impossible de les... Enfin, moi en tout cas, je les connais pas toutes déjà, et je pense que c'est impossible de toutes les catégoriser, et c'est vraiment propre à des territoires particuliers. C'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il existe des pratiques générales, comme tu dis par exemple la magie des plantes, qu'on peut appeler aussi la magie verte, la magie des éléments, la magie lunaire, la magie solaire, etc., etc. Donc là, en fait, c'est la source d'énergie qui vient définir la pratique magique. Donc soit je vais utiliser des plantes, soit je vais utiliser la lune, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, ces pratiques-là, elles sont aussi en rapport avec leur territoire, de là où elles sont pratiquées. Parce que si tu pratiques la magie verte, je sais pas moi, en Californie ou en Belgique, tu n'as pas accès au même territoire, tu n'as pas accès aux mêmes plantes, tu n'as pas accès aux mêmes énergies. Donc la magie verte en Belgique n'est pas la même qu'en Californie, par exemple, ou en Laponie. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a des sources d'énergie qu'on va utiliser qui vont déterminer la pratique magique, mais aussi dans le territoire dans lequel on va la faire. Est-ce que quand on pratique justement la magie verte, parce qu'aujourd'hui avec Internet, avec les boutiques ésotériques, etc., on a vraiment accès justement à des plantes qui viennent par exemple de partout, mais est-ce que finalement la pratique n'est pas plus, encore plus performante si tu as tes propres plantes que tu fais planter chez toi, sur ton terrain, des plantes qui sont vraiment de ta région et que tu utilises finalement les éléments qui t'entourent réellement, plutôt que d'aller choper sur Internet une plante super rare, qui a séché et qui finalement est dans un sachet depuis des mois, est-ce qu'elle n'a pas perdu de ses vertus à ce moment-là? Alors, je pense pas qu'elle ait perdu de ses vertus, je pense que par contre, toi, pour t'y connecter, c'est peut-être plus compliqué parce qu'elle fait pas partie de ton territoire, justement. Et donc, soit t'as une connexion avec cette plante parce que, voilà, je sais pas, t'en as rêvé ou il y a des légendes qui sont associées à cette plante où tu te sens vraiment connecté à ça et que ça a du sens pour toi de l'utiliser, aucun souci, de toute façon, on n'est pas là pour juger de toute manière. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile de te connecter à la lavande quand tu vis en Provence, où tu as accès à la lavande autour de toi, t'as déjà senti son odeur, tu l'as vu, tu l'as touché, peut-être que ça te rappelle aussi des souvenirs de ton enfance, enfin voilà, il y a une réelle relation avec la plante, et là, bah, ça va faciliter la démarche. Moi, j'utilise de la lavande en Laponie, si j'en ai jamais vu de ma vie, bah, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Alors, une question qui est revenue assez souvent, c'était, bah, tiens, quand on est vraiment attiré par cet univers, et qu'on a envie de s'y intéresser, de démarrer une pratique, comment est-ce qu'on démarre? Comment est-ce qu'on... voilà, on ne s'y connaît pas du tout, on n'a pas de bouquin, on n'a pas encore appris. Alors, moi, vous le savez, je vous ai toujours guidé vers les livres d'Alliance Magique qui, je trouve, sont très complets et sont faciles à lire et sont des sources sûres. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on est vraiment sur des praticiens qui travaillent au cœur d'Alliance Magique et qui travaillent sur les livres. Méfiez-vous quand même de ces grandes maisons d'édition très connues qui jouent sur, pour l'instant, le côté très à la mode de la sorcellerie et où on se retrouve finalement dans une pratique qui est un peu plus digne d'Harry Potter que de ce qui est proche de la réalité. Donc faites attention aux maisons d'édition que vous choisissez dans les livres. Allez vraiment vers une maison d'édition qui ne fait que ça, comme Alliance Magique par exemple, que je trouve très fiable. Donc quand on démarre, quand on démarre sa pratique, comment est-ce qu'on démarre? Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a un peu cet automatisme du livre, et je pense qu'en effet le livre peut être un point de départ parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc oui, ça peut être un point de départ, mais pas forcément. C'est-à-dire que ça s'appelle des pratiques. Oui.
théorie. Donc, c'est pas de la théorie. Ouais. Donc, à un moment donné, si le livre, il peut te donner un cadre, il peut être des pistes, un soutien au début, c'est pas avec ça que tu vas apprendre. Il n'y a pas le choix que de se lancer à un moment donné. Et je sais que c'est dur parce qu'il faut trouver la confiance et qu'on a peur de mal faire, etc. Mais c'est par l'expérience, par l'expérimentation qu'on va apprendre. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix que de se lancer. Et je pense que c'est du coup d'aller au-delà de cette peur, parce que c'est vrai qu'on est dans des fonctionnements dans nos sociétés où t'as pas, faut pas que tu fasses d'erreur, t'as pas le droit à l'erreur. Là, il n'y a pas le choix en fait que de se lancer, donc il faut dépasser cette idée que je vais forcément faire une connerie, c'est pas bien ce que je vais faire. Mais avant de pouvoir expérimenter et avant de se lancer dans de la pratique, il faut quand même se renseigner un minimum sur ce qu'on fait. Bien sûr. Et sur ce qu'on utilise. Mais ça, je m'inquiète pas trop. Voilà. C'est plutôt, oui, c'est vrai que t'as raison. D'où l'importance quand même de lire pour savoir, parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, qui ne connaît vraiment rien, qui ne sait pas, par exemple, qu'à la pleine lune, on va faire telle ou telle pratique, à la nouvelle lune, une autre, elle va se retrouver à la pleine lune en disant, bon, je fais quoi? Je prends quoi? Je dis quoi? Je comprends ce que tu dis. Mais en fait, c'est vrai, j'ai eu un peu ce réflexe de parler tout de suite de l'expérience, parce que très souvent, les personnes qui s'y intéressent passent beaucoup de temps justement à lire. Oui. Et souvent, presque, ils en savent presque plus que moi. Ils ont lu plus de livres que moi, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans la lecture, parce qu'ils osent pas se lancer. Mmh. C'est pour ça que j'ai eu tendance à parler tout de suite de l'expérience. Oui, je pense que la lecture peut apporter un cadre, savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Mais en ayant par contre ce recul, il n'existe pas un dogme dans ces pratiques-là où il y a forcément une recette toute faite à suivre. C'est ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut trouver vraiment cet équilibre entre je vais lire des livres qui vont me permettre de comprendre des protocoles, des méthodologies, ça me permet de me donner un cadre. Mm-hmm. Mais il ne faut pas que je m'enferme dans ce cadre parce qu'il n'a pas plus de valeur que le cadre d'à côté, en fait. D'accord. Donc comment moi, en fait, j'arrive à me construire mon propre cadre de pratique, de valeur, de compréhension avec ce que j'ai pu explorer par ailleurs dans des livres ou dans des rencontres ou peu importe d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que par les livres qu'on peut apprendre aussi. Bien sûr. Si vous avez l'occasion de rencontrer des personnes qui pratiquent, c'est aussi par l'échange entre pratiquants et pratiquantes qu'on arrive à s'enrichir. Mais oui, tu as raison, il faut bien partir d'une donnée de départ, mais par contre cette donnée de départ, elle n'a pas forcément une valeur définitive, quoi. Il faut réussir à explorer en fait plein de possibles dans sa bien pratique. Bien sûr. Je n'ai jamais par exemple utilisé de livres avec des recettes bien précise, parce que pour moi chaque personne a sa propre manière de fonctionner. Alors certes, comme tu le dis très bien, il y a un cadre à établir, il y a un début, un milieu, une fin, mais pour tout ce qu'il y a à l'intérieur finalement de la pratique, je trouve que c'est extrêmement personnel, et ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout de savoir vers quoi on va, pourquoi on le fait, quelle est l'intention qu'on y met et ce que ça peut nous amener en retour. Et j'en viens du coup à une autre question qui est très intéressante, c'est quels sont les possibles dangers dans la pratique, parce qu'on fait appel à notre énergie, parce que dans mes croyances, je pense qu'on est l'élément principal de tout ce qu'on attire vers soi, et c'est notre énergie première en s'aidant d'énergie supplémentaire qui font un tout. Mais on peut par exemple travailler avec des déesses, avec des dieux, et donc faire appel à des forces qui peuvent parfois nous dépasser et qui peuvent potentiellement être un danger si elles sont mal utilisées ou si elles sont utilisées par exemple à mauvais escient. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors c'est une grande question. Je me permets juste de faire un petit retour en arrière parce que je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Je pense que c'est important en effet. Par quoi commencer? C'est de poser la question pourquoi je fais ça. Oui. Et je pense qu'en effet, c'est pas tant de savoir quel type de rituel je vais faire, quel type de magie je vais faire. Ça vient après. C'est pourquoi je veux faire ça et que ça répond à une intention, ça répond à un besoin, ça répond à une nécessité souvent quand même quand on va dans ces pratiques-là. Donc oui, je pense se poser la question pourquoi on le fait, parce que c'est vrai que comme ça devient un petit peu à la mode, on peut se dire ah ça m'intéresse et je suis curieux de ça, etc. Et du coup on peut se perdre un petit peu dans toute la masse de ce qui est partagé aujourd'hui, et c'est de réussir à se recentrer sur moi, pourquoi je veux faire ça, qu'est-ce que ça m'apporte réellement. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je trouvais intéressant que tu l'abordes comme ça. Et du coup, par rapport aux dangers potentiels, moi, c'est hyper compliqué parce que comme c'est de l'ordre du subtil, de l'invisible, on n'est pas en capacité de définir s'il y a un réel danger ou pas. On est sûr de rien, on peut avoir des ressentis, on n'est pas à l'aise ou c'est désagréable, etc. Mais en soi, on peut pas le prouver, on peut pas le toucher, quoi, c'est pas tangible. Donc je pense que parler du danger dans ces domaines-là, c'est hyper compliqué. Je pense que de toute façon, il y a du danger partout. C'est juste que quand il est matériel, on peut s'en prémunir plus facilement. Par exemple, quand on prend la voiture, on sait qu'on peut avoir un accident de voiture, donc on met une ceinture de sécurité. Comme ça, on prévient le potentiel accident, quoi. Dans ces pratiques-là, c'est difficile parce qu'on sait pas trop de quoi forcément on va devoir se protéger, parce qu'il y a un potentiel danger, mais on peut pas trop l'identifier.
Donc, est-ce qu'il y a un danger, par contre, où on va mettre sa vie physique en danger? Pour moi, la réponse est non. Dans le sens où son intégrité physique n'est pas en jeu. On peut peut-être se sentir mal à l'aise. Il peut se passer des choses, c'est évident. Mais pour moi, l'intégrité physique n'est pas mise en danger. Donc, il faut comprendre les systèmes de protection. Pourquoi on se protège? Comment on se protège? Sans rentrer dans une paranoïa de forcément, parce que je vais pratiquer, je me mets en danger. Non, parce qu'à chaque fois que tu prends ta voiture, tu te mets pas en danger. Il y a un potentiel danger, mais j'espère quand même qu'on est plutôt nombreux à ne pas avoir eu d'accident de voiture. Mm-hmm. Oui. Malgré le fait que tu prends la voiture peut-être tous les jours. En tout cas, pas un accident grave, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, trouver l'équilibre entre je comprends qu'il y a un potentiel danger, comment je m'en prémunis, sans m'enfermer dans une paranoïa où j'ose plus rien faire, parce qu'il y a un risque. Vivre est un risque. Est-ce que ça s'applique vraiment à une pratique qui est bienveillante et qui finalement nous concerne nous personnellement sans intervenir sur le libre arbitre d'une tierce personne? Est-ce que quelqu'un qui par exemple il y a dans certaines coutumes et dans certains mœurs de différents pays, on peut par exemple avoir la sorcellerie qui est utilisée dans une pratique de vengeance? On va se venger de quelqu'un qui nous a fait du tort ou bien quelqu'un qui est un petit peu dans nos pattes par rapport à une amourette ou voilà. On sait qu'il existe beaucoup de pratiques qui disent voilà, par exemple avec le vaudou, avec vraiment des pratiques qui veulent faire du mal à une tierce personne. Est-ce que à ce moment-là, le praticien ne se met pas lui aussi vraiment en danger parce que tu parlais vraiment de retour sur notre physique, mais on sait que par exemple certaines personnes peuvent tomber malades ou avoir même une répercussion physique à partir du moment où ils n'agissent pas dans le bien de ce qui les entoure. Alors, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où oui, ce que tu dis potentiellement est réel, qu'il peut y avoir une intégrité physique qui est touchée, mais on peut rien prouver, on est sûr de rien. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même toujours prendre du recul. Avec des pincettes, quoi. Ce que tu dis par rapport au vaudou, c'est intéressant dans le sens où ça, alors, c'est pas une pratique qui a une visée négative ou néfaste, pas non, du non, tout. Non, mais c'est parfois utilisé à mauvais escient. C'est parfois utilisé dans le cadre de vengeance ou autre, mais comme on a partout de sorcellerie des campagnes françaises en regorge, de vengeance et autres entre voisins et autres, enfin voilà, déjà c'est partout dans le sens où c'est une pratique et c'est comment tu vas l'utiliser en fait. Donc il n'y a pas une pratique qui est foncièrement mauvaise pour moi à aucun moment, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, c'est comme n'importe quel outil. On fait souvent cette comparaison avec un couteau. Avec le couteau, soit tu poignardes ton voisin, soit tu coupes ton saucisson pour l'apéro, c'est qu'est-ce que tu vas en faire en fait, tout simplement. Donc pour moi il n'y a pas une pratique qui est néfaste, c'est comment on va l'utiliser et pourquoi on va l'utiliser. Par contre, quoi qu'il arrive, c'est une pratique où tu vas te connecter à des sources d'énergie extérieures à toi. Et que tu sois bienveillant ou pas, tu ne peux pas contrôler complètement ce à quoi tu vas te connecter. Okay. C'est pour ça que la protection, pour moi, peu importe l'intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la protection, il faut y penser. En tout cas, je dis pas que c'est nécessaire absolument, je suis personne pour dire ça, mais posez-vous la question quand même de quoi qu'il arrive, je ne sais pas exactement à quoi je me connecte, donc à partir de là, bien sûr, je me protège. Et pour ça, je prends un exemple très concret. Au tout début que je pratiquais l'urbex dans des endroits qui étaient quand même chargés énergétiquement, je ne me protégeais pas du tout parce que en fait j'y allais avec une super bonne intention. Et je me disais, comme j'y vais avec une bonne intention et que je touche à rien et que j'y vais un peu sur la pointe des pieds en disant coucou, je suis là, je vous veux pas de mal, je suis super gentille, ça ne m'a pas du tout empêché de ramener vraiment des énergies négatives au sein par exemple de mon domicile, de me sentir même moi parfois pas bien après une exploration, d'avoir vraiment des douleurs au ventre, des maux de tête, l'impression d'être observée dans la maison. Et pourtant j'y allais vraiment avec un bon cœur et donc quoi, c'est pas parce qu'on est super gentil et tout ça que les énergies négatives ne vont pas venir nous embêter. Non. Quoi. Tout à fait, oui. D'où l'importance de se protéger, comme tu le dis très très bien, peu importe, peu importe ta pratique. Oui. Justement, est-ce que toi, tu as certains conseils que tu aimerais partager sur comment bien se protéger quand on pratique? Alors, je pense que la protection, je fais toujours une image que j'aime beaucoup pour apprendre la protection, c'est déjà de s'occuper de ses propres fondations à soi. Dans le sens où, si tu as une maison qui tombe en ruine et que tu poses une porte blindée sur cette maison en pensant la protéger, ça sert à rien. Les murs tombent en ruine, il n'y a pas
de vitres aux fenêtres, donc la maison n'est pas protégée. Posez-vous la question, est-ce que parce que, par exemple, je sais pas, j'ai trouvé un talisman de protection, une pierre de protection que je porte sur moi, est-ce que ça suffit? La réponse est non. Pour moi, il y a aussi un travail sur soi, d'ancrage notamment, on parle beaucoup d'ancrage dans la pratique. Il y a tout un travail sur soi à réaliser pour que la protection se passe au mieux. Je dis pas que du coup, il faut attendre d'être parfaitement stable et ancré dans sa vie pour se protéger, mais ça sera beaucoup plus renforcé. Donc, il faut toujours allier en fait des ressources extérieures à soi, comme par exemple des plantes peuvent le faire, des pierres peuvent le faire, des géométries sacrées, par exemple le pentacle, le pentagramme, mais aussi l'associer à soi, à comment on se sent en fait dans son corps, dans son état d'esprit, dans ses émotions, quoi. Donc plus on sera stable, mieux la protection fonctionnera, ça c'est sûr. Comment est-ce que toi tu pratiques l'ancrage ? Alors, il y a plein de façons de le faire. Alors très souvent on pense méditation, donc pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise en méditation, bonne nouvelle, c'est pas du tout obligatoire. Il y a plein de façons de pratiquer l'ancrage au quotidien. En fait, l'ancrage, c'est vraiment revenir à l'instant présent. C'est l'ici et maintenant, donc c'est de pas être tiraillé dans le passé ou dans le futur. Et pour revenir au présent, il y a plein de façons de faire. La cuisine peut être un bon moyen, l'écriture, le dessin, la le ménage. La douche, on en parlait hier. La douche, le jardinage, se balader en forêt, être avec des amis. Donc voilà, ça, c'est pas forcément un truc incroyable à faire pour s'ancrer. Après, il y a plein de techniques de méditation, en effet, de visualisation. En fait, on va imaginer qu'on a des racines qui partent du bas du corps et qui vont s'enfoncer dans la terre, et donc ça, vu qu'on appelle l'énergie terrestre pour bien s'ancrer. C'est ce qu'on fait généralement, nous, quand on va, moi je pratique le Reiki, oui. Et c'est ce qu'on fait avant de commencer un soin, on fait d'abord de l'ancrage, et puis ensuite on demande l'aide du Reiki pour pratiquer sur la personne, mais il y a toujours cet ancrage justement de bien s'enraciner avant de pouvoir pratiquer un soin sur quelqu'un d'autre. Il y a quand même un peu un aspect hygiène de vie dans toutes ces pratiques aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, je pense, et que c'est pas juste dans le cadre d'un petit rituel de protection, c'est comment la démarche de protection que je vais avoir va s'intégrer dans une démarche plus globale en fait. D'accord. Pour quelqu'un qui démarre dans sa pratique, quels sont pour toi les outils indispensables à avoir? Parce que souvent on peut aussi là se faire un petit peu avoir par des boutiques qui vont essayer de vous vendre tout un attirail qui coûte bien souvent une fortune. Sachez que vous n'avez pas besoin d'être riche pour pratiquer et que vous pouvez très bien utiliser un petit bol que vous avez dans votre cuisine plutôt que d'aller acheter un chaudron qui va vous coûter 80€ dans une boutique spécialisée. Sachez-le, vous pouvez vraiment utiliser, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, ce qui vous entoure. Alors si vous avez les moyens financiers et vous avez surtout l'envie d'investir dans un matériel qui visuellement fait plus sorcière, ça c'est vraiment un choix, mais ça n'est absolument pas nécessaire. Est-ce que j'ai raison ou pas? Oui, complètement, c'est-à-dire que les outils ce sont des outils, donc ils sont là pour nous aider, ce sont des supports, des soutiens supplémentaires, donc en aucun cas il est nécessaire qu'ils soient faits d'une telle façon, ou qu'ils ressemblent à telle chose ou telle chose. Ce qu'il faut revenir en fait, c'est quelle est la fonction de l'outil. Donc c'est jamais d'acheter un outil pour acheter un outil, parce que par exemple vous achetez un très beau chaudron, moi j'en ai plein, j'adore les chaudrons, j'ai des beaux chaudrons en cuivre, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais si vous achetez un chaudron parce qu'il est beau mais que vous savez pas comment vous en servir, finalement il vous sert à rien. Si vous comprenez que ce qui est intéressant dans le chaudron, c'est parce que c'est un récipient creux qui représente le ventre de la déesse, dans lequel il y a tout un travail de gestation, de transformation, là vous vous dites, ce qu'il me faut c'est un récipient creux. Donc finalement, est-ce qu'il a besoin d'être en cuivre avec une certaine forme? Non, il a besoin d'un bol par exemple, d'un saladier, d'une casserole. Moi ce que je dirais juste, c'est qu'à partir du moment où on intègre un outil dans sa pratique, il est consacré à sa pratique, et donc si j'utilise un bol pour faire un travail de magie, je vais pas manger mes céréales avec dedans le lendemain matin, il est consacré à ma pratique. Par contre, oui, c'est un récipient, il n'a pas besoin de s'appeler chaudron pour être utile dans sa pratique. Souvent, j'ai des personnes qui sont revenues vers moi en me disant j'habite encore chez mes parents, donc c'est difficile pour moi, par exemple, d'avoir un hôtel. Donc l'hôtel, c'est l'endroit où vous allez justement mettre vos outils qui sont consacrés. Si vous vénérez ou si vous travaillez avec une déesse, vous allez lui consacrer un petit endroit pour aller poser vos intentions. Enfin, l'hôtel sert à plusieurs choses. Oui. Mais parfois, c'est vrai que soit on habite dans un endroit qui est assez petit, soit on est en colocation, soit on est chez ses parents, et c'est difficile de pouvoir vraiment se créer son espace sacré. Oui. Est-ce que pour toi l'espace sacré est indispensable, même s'il est tout petit, est-ce qu'il en faut quand même un? C'est-à-dire que l'espace sacré, il va permettre de matérialiser l'hôtel. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'hôtel, c'est un espace miniature dans lequel on va représenter l'invisible, les différents mondes, la nature, les éléments, etc. C'est on recrée en fait les mondes à travers cet hôtel, cet espace. Et donc quand on va pratiquer la magie, on va essayer d'interagir avec ça. Donc c'est plus difficile d'interagir dans le vide, tu vois. Genre j'appelle l'énergie de la terre,
terre, par exemple, bon, bah, c'est un peu difficile si j'ai rien comme support pour la pleine énergie de la terre. Donc, c'est ça, en fait, ce à quoi ça va servir. Donc, est-ce que ça a besoin d'être permanent? Non, en fait. Peut-être que quand on n'a pas la place ou que les regards sont un peu trop indiscrets, peut-être que c'est caché à le reste du temps et qu'on le remet à découvert au moment qu'on va pratiquer ou qu'on va faire un rituel. Donc, non, c'est pas obligé d'être un grand espace, déjà. Pas obligé que ça soit visible tout le temps, pas du tout. Mais je pense que ça peut aider quand même d'avoir quelques éléments pour se raccorder concrètement à ce qu'on fait, quoi. Quand moi, je fais appel aux différents éléments, ben dans mes petits coffres, en fait, j'ai à chaque fois ces petits personnages ici qui représentent chaque élément. Et en fait, on n'a pas besoin, finalement, d'avoir un truc grand comme ça pour représenter un élément, mais j'ai le feu, la terre, l'air, et je les utilise, je les place en conscience, et je sais que ça, c'est ce qui me relie aux éléments, par exemple. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très volumineux qui prend beaucoup d'espace. Vous pouvez le cacher dans une petite armoire et le ressortir quand vous en avez besoin. Moi, ils sont dans leur petit coffre, ça représente à chaque fois une déesse, et je les sors au moment où j'en ai besoin, quoi. Donc, voilà. Complètement. Et ça peut être des choses aussi que vous fabriquez vous-même. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, ce qui est le plus intéressant aussi, même si ça peut être moins esthétique, que ça peut être que, voilà, que c'est un peu moins dans les codes de ce qu'on a l'habitude de voir, ça vous permet d'avoir un lien précieux, en fait, avec l'objet. Et par exemple, les éléments, ça peut être juste aussi de le dessiner sur un morceau de papier, mais que ce morceau de papier, on l'a travaillé, on l'a peut-être jauni avec du thé, etc. Enfin, qu'il y a vraiment une démarche pour créer du lien, quoi. Mais ça peut être juste un dessin sur un papier, presque. Ou là, pour le coup, on appelle ça des hôtels de papier, où c'est glissé dans un carnet et il n'y a pas plus petit et pratique, quoi. Pour toi, comment est-ce qu'on consacre un objet? Ouais, il y a plein de possibilités suivant les traditions et les types de pratiques. Une qui est justement, comme on parle des éléments, qui je pense est assez accessible à tout le monde, c'est la consacration par les quatre éléments. Donc l'idée de la consacration, c'est de rendre un outil sacré. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un beau chaudron en cuivre que j'ai acheté sur une boutique de sorcière qu'il est consacré et que c'est un outil magique. Non, c'est un beau chaudron et c'est tout ce que c'est. Et finalement, mon bol à céréales, si je le consacre, il sera plus magique que le beau chaudron en cuivre que j'ai acheté. Donc c'est ce à quoi sert ce rituel. Après, comment on va le faire, ça va dépendre en effet des traditions. Et par exemple, les quatre éléments, c'est d'appeler chaque élément à faire de cet outil un outil sacré. Donc ça va être de comprendre comment l'eau va rendre cet outil sacré, comment la terre va rendre cet outil sacré, et c'est de les faire se rencontrer. Donc il y a vraiment toujours une partie matérielle, physique de rencontre. Voilà. Et par exemple, moi dans ma tradition, on enterre les outils pendant 9 jours au pied d'un arbre. C'est aussi un moyen de consacrer. Donc c'est la terre qui va lui redonner vie, en fait. Et tu fais d'abord un rituel avant et puis tu l'enterres, ou tu vas prendre l'objet et tout de suite aller l'enterrer, et une fois qu'il est ressorti de terre, il est consacré? Alors le rituel en lui-même, c'est l'enterrement, en fait. Oui, ok. Donc c'est le fait d'enterrer l'objet qui est le rituel, mais après il peut y avoir une préparation de purification, notamment, ça va dépendre de l'objet, préparation de l'objet en lui-même, mais le rituel en lui-même, c'est bien de l'enterrer. Ouais. Est-ce que quand on va s'installer, est-ce qu'on a automatiquement besoin de créer le cercle autour de soi, et comment est-ce qu'on le fait? Parce que souvent, alors ça c'était vraiment au tout début de ma pratique, j'avais beau lire des livres, essayer de me renseigner, on parlait toujours de tracer le cercle, mais on disait jamais comment tracer le cercle. On le trace comment? Avec du sel, avec ça, enfin c'était vraiment, enfin je trouvais que souvent ils disaient voilà, vous démarrez par tracer votre cercle. Oui, mais comment? Est-ce qu'on trace son cercle? Alors ça, c'est vrai que c'est des choses que j'enseigne justement dans les retraites que je fais et autres. C'est vrai que pourquoi c'est difficile à expliquer, parce que c'est vraiment quelque chose qui prend de l'espace, et sans le montrer, c'est difficile de l'expliquer. Mais déjà, comprendre que le cercle, ça vient des magies cérémonielles. Donc le but du cercle, c'est de protéger, d'amplifier les énergies dans l'espace dans lequel on va être. Mais c'est pas nécessaire de faire un cercle pour faire un rituel. D'accord. C'est ça qu'il faut être très clair. Ça, c'est issu de la magie cérémonielle. C'est très très popularisé dans le néopaganisme et les pratiques magiques actuelles. Et moi, je l'utilise et j'aime beaucoup cette méthode, parce qu'elle est pratique. En traçant ton cercle, tu vas et protéger et délimiter l'espace et concentrer les énergies. Donc c'est pratique. Ah mince, elle nous a lâché. Alors concrètement, Marie, comment est-ce qu'on va tracer un cercle chez soi à la maison? Alors du coup, en fait, le cercle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a l'aspect matériel du cercle en lui-même, que tu peux tracer de plein de manières différentes. Tu peux utiliser une corde, des bougies, des pierres, des cartes de tarot, ce que tu veux qui va matérialiser le cercle. Juste pas de sel en nature, parce que le sel, il va brûler en fait la nature, il brûle la végétation. Et donc ça, c'est la partie matérielle qui délimite l'espace. Et ensuite, il y a la partie énergétique, où là,
du coup, c'est une sphère qu'on va créer. Donc ça, c'est important de le comprendre, que c'est pas juste on se fait un petit cercle au sol, que le cercle est une base matérielle pour créer l'énergie de la sphère, pour se protéger et vraiment s'enfermer dans cet espace. Puisque les énergies, elles viennent pas juste de son petit cercle, mais elles viennent de partout. Et donc là, pour former cette sphère, on va dire certaines incantations. Mmh. Est-ce que ces incantations, on les trouve toutes faites dans des bouquins, ou bien est-ce qu'on va plutôt les inventer soi-même? Comment savoir si son incantation est bonne? En fait, ça va dépendre déjà de ce qu'on va appeler. L'incantation va beaucoup dépendre de est-ce que j'invite un élément ou est-ce que j'invite une divinité, parce qu'on va pas les appeler de la même manière, par exemple. Ensuite, l'incantation, en effet, tu peux soit prendre quelque chose de tout prêt. Si ça te correspond, que ça résonne bien avec toi, c'est cool. Si par contre c'est pas le cas, vaut mieux que tu crées la tienne, parce que si t'y crois pas, ça va être compliqué de t'investir dans ton rituel. Et bien, pour créer une incantation, on peut s'inspirer beaucoup de la poésie notamment. C'est beaucoup utilisé dans beaucoup de traditions celtiques, nordiques, chez les druides aussi. Donc, tout ce qui va être chants, poèmes qui sont utilisés pour écrire les incantations. Ce que je pensais aussi, c'est dans la pratique chamanique par exemple, c'est l'utilisation du tambour pour vraiment essayer de faire circuler l'énergie. Ah oui, au niveau du rythme. Oui. Oui, tout à fait. Donc en effet, c'est pour ça que la poésie peut être intéressante, parce que on va avoir cette rythmique dans le vers, dans le rythme, dans le fait que ça rime. C'est ça qui va créer un certain rythme à l'incantation, puisque du coup, c'est pas juste quelque chose qu'on va dire, c'est quelque chose vraiment qu'on va porter énergétiquement. Donc il y a quand même une certaine puissance à donner, quoi. Est-ce que c'est plus intéressant de faire ces rituels en pleine nature ou bien chez soi à la maison? Est-ce que ça a un impact différent? Je pense oui. Alors ça dépend aussi quel type de pratique on a. Si on a une pratique qui est vraiment connectée à la nature, je pense qu'il faut être honnête que quand t'es en nature, c'est quand même plus simple qu'au milieu de ton salon. Ouais. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire au milieu de ton salon, parce que tu peux inviter la nature chez toi avec des représentations, avec plein d'éléments, mais c'est sûr que quand t'appelles l'eau, si t'as les pieds dans l'eau, forcément, ouais. C'est plus sympa, quoi. Okay. Ouais. Alors, une autre question qui nous a été posée et qu'on trouvait vraiment très pertinente, c'était de savoir, tiens, comment est-ce qu'on rejoint un cercle, un coven, et surtout, ce que nous, on trouvait important de vous parler, c'est des dérives, parfois, de certaines associations de groupes qui peuvent être des charlatans ou parfois avoir même des dérives sectaires. Donc, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire particulièrement attention quand vous intégrer un groupe fermé, généralement un peu secret comme ça. Alors toi Marie, tu organises des retraites spirituelles et des retraites où tu vas apprendre et aux personnes qui sont auprès de toi à pratiquer, mais vous allez aussi pratiquer ensemble, mais c'est dans un respect de finalement de chacun et des envies aussi de chacun, quoi. Il n'y a jamais aucune obligation. Non, ouais, c'est ça qui est important, c'est que chacun, chacune puisse garder son libre arbitre. C'est vrai que moi en plus c'est ouvert, c'est pas un groupe qui est fermé, donc tout le monde peut venir, tout le monde peut repartir. Enfin, il y a pas un cercle qui est vraiment défini, même s'il y a des personnes qui pratiquent avec moi depuis 3 ans maintenant, donc on se connaît bien, etc. Mais ça reste toujours ouvert, donc ça c'était important pour moi. Dans les groupes fermés, ça peut aussi très bien se passer, bien tout entendu. On peut vraiment y rencontrer une famille spirituelle avec laquelle on va pouvoir évoluer, et c'est génial. Mais toujours garder en tête, conservation libre arbitre, que rien n'est obligatoire, rien n'est imposé, et que la personne qui vous accompagne, elle est juste là pour vous accompagner, mais jamais pour vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. C'est important que chacun puisse explorer avec son individualité, quoi. Ah oui, tout à fait. Moi, je fais partie d'un cercle de femmes pas très loin de chez moi, et la personne qui dirige le cercle nous le rappelle à chaque fois, c'est qu'un cercle, c'est justement une boucle où personne n'est au-dessus de personne. Il n'y a pas de chef. Elle est vraiment là simplement pour nous guider au fil de la soirée et organiser les activités qui vont se passer sur une certaine thématique. Et elle nous redit à chaque fois aussi au début que s'il y a un exercice ou une pratique qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne le sent pas ou parce que ça ne nous parle tout simplement pas, on est vraiment obligé de rien. Donc quelqu'un qui ne veut pas pratiquer une certaine méditation ou un petit rituel va simplement se mettre sur le côté, pendant un petit moment prendre un bouquin ou voilà, ou faire autre chose, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Et puis surtout alors évidemment quand vous rejoignez par exemple nous nos cercles, on donne une petite participation à la personne qui la dirige parce qu'elle l'organise, elle achète le matériel, tout ce qu'on va faire et utiliser pendant la soirée, mais ça reste vraiment des montants qui sont totalement abordables. Quand on commence à vous demander plus de 100 € et tout ça, même plus de 50 € par participation pour venir à une soirée d'un cercle de femmes, ça n'est pas normal. Alors, sauf si évidemment c'est dans le cadre, comme toi, d'un séjour où il y a toute une mise en place avec une location. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Là, je parle vraiment bien d'une soirée en petit comité chez quelqu'un. Alors, une participation financière, il n'y a aucun souci.
aussi parce que oui, ça prend du temps, c'est de l'implication, c'est de l'achat de matériel. Donc là, c'est normal. La personne qui organise le cercle n'a pas, en tout cas, l'obligation de le faire gratuitement. Si elle veut le faire, libre à elle, mais c'est pas une obligation. Mais ça doit être raisonnable financièrement. Ouais, je pense que dans, peu importe ce qu'on fait, même moi qui propose des plus gros séjours, des plus grosses organisations et des plus gros logistiques, il y a des personnes qui travaillent avec moi, donc c'est quand même conséquent. Mm-hmm. La définition du prix a vraiment un rôle très important dans notre façon de travailler, et on prend vraiment pas ça à la légère, parce que bah, pour nous c'est important que ça reste accessible, quoi. Alors, dernière question de ce soir, avant de demander à Marie de nous raconter peut-être un phénomène paranormal qu'elle a vécu dans sa vie, une expérience surnaturelle, parce que j'aime bien hein, toujours mettre une petite note un petit peu angoissante sur cette chaîne, on va d'abord terminer avec la dernière question qui était la suivante. Comment savoir vers quelle déesse ou vers quelle entité, vers quelle force se tourner pour travailler avec son énergie lors d'un rituel? Alors je pense que soit en fait vous avez quelque chose où vous sentez déjà appelé par ça dans votre parcours, quelque chose qui vous attire particulièrement, donc ça peut être par exemple des éléments de la nature, donc les quatre éléments, terre, air, eau, feu, qui sont assez classiques. Souvent on commence par là aussi parce que c'est assez évident, on peut tous se sentir connectés aux quatre éléments, ils sont tout le temps autour de nous. Soit ça peut être des entités en effet comme des divinités qui sont un peu plus spécifiques, reliées à des mythologies, reliées à des mythes, et donc il y a plusieurs cas de figure. Soit on peut s'en sentir vraiment appelé, soit c'est en se renseignant, en lisant sur quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, on se dit ah bah oui, ça me correspond, ça correspond à ce dont j'ai besoin, ça me parle, ça fait écho en moi. Donc il n'y a pas un parcours tout tracé, ça va vraiment dépendre de vos ressentis. Et vraiment pour moi, si vous savez pas par quoi commencer, les quatre éléments, je trouve que ça correspond au plus grand nombre, faire beaucoup de choses avec déjà. Les ancêtres, ses propres ancêtres, parce que bah, ils sont là pour nous de toute manière, et on est directement connecté à eux. Les points cardinaux aussi, tu les considères comme une énergie qu'on peut appeler. Oui, moi j'appelle ça les gardiens. Oui, voilà, gardiens des portes de l'Est. Exactement, c'est ça, ce sont des gardiens des directions, donc ça peut aussi bien sûr être eux. Et après, pour vraiment les divinités, c'est pas du tout quelque chose d'inatteignable ou de compliqué, forcément, mais c'est juste que ça demande de bien comprendre en fait son mythe, son histoire, comment il fonctionne, de se renseigner. Par exemple, voilà, je sais que moi chez les Nordiques, on fait des offrandes de vodka ou des offrandes de bière à nos divinités. On fait pas une offrande de vodka à une divinité grecque, par exemple. Non. Ça n'a pas trop de lien. Mm-hmm. Donc c'est plus ça, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous attire, puis après de voir comment ça fonctionne, en fait. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui font appel plutôt à... Alors j'aime pas dire à des démons, parce que voilà, c'est un terme... Je trouve que le terme démon est tellement lié à la religion catholique que ça devient tout autre chose, mais par exemple, tu as des personnes qui font appel... Allez, je vais prendre un exemple, Lilith. Ça a une connotation très négative, parce qu'on la voit comme un démon et tout ça, alors qu'on peut travailler avec elle de manière super positive aussi. En fait, oui, c'est que dans une approche païenne et dans une approche magico-païenne, on considère que toute énergie est ambivalente. Donc, c'est-à-dire que même si tu fais appel à la Terre, elle est ambivalente, donc elle peut aussi tout détruire en son passage avec les tremblements de terre, par exemple. Ouais. Donc, il n'y a pas une énergie de toute façon qui est toute noire ou toute blanche, bonne ou mauvaise, et Lilith en fait partie, en effet. Elle est ambivalente, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ces approches-là, c'est de pas... c'est très humanisé, finalement. Les divinités ne sont pas complètement déshumanisées, elles ont leurs qualités puis leurs défauts, et il faut les comprendre, et il faut le prendre en compte, quoi. C'est ça. Super. Tu vas nous raconter à présent quelque chose qui t'est arrivé. On vous racontera un truc qui s'est passé ici, c'est assez fou, qui est arrivé un peu plus tôt dans la journée ce matin. Ouais. Rien de flippant, mais c'est une anecdote quand même assez mignonne, on va dire. Mais surtout, quand on était sur le trajet vers la maison, tu m'as expliqué aussi que tu ne crois pas aux fantômes, dans le sens où tu ne crois pas que ce sont des personnes humaines qui réapparaissent dans le monde de l'au-delà et qui viennent nous faire peur. Et je trouvais ça super intéressant comme point de vue, parce que comme quoi on peut baigner totalement dans cet univers ésotérique, avoir des croyances, mais qui ne sont pas spécialement les mêmes, ou qui sont différentes, où il y a une approche qui est différente. Et je trouvais ça vraiment super intéressant, la manière dont toi tu perçois la chose. Donc je te propose peut-être déjà de nous dire un petit peu quelles sont tes croyances par rapport au paranormal.
paranormal, parce que bon, c'est quand même une chaîne liée tout d'abord au paranormal, hein, avec la, nos chasses aux fantômes dans des lieux hantés, possiblement hantés. Donc toi, pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce sont que ces énergies qu'on ressent autour de soi et qui peuvent parfois nous faire très peur? Moi, je crois en l'invisible, je crois vraiment qu'il y a quelque chose, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas forcément et qui ne sont pas matérielles. Pour autant, en effet, je crois pas qu'il y a une personne, une fois qu'elle est partie, qu'elle est décédée, elle peut revenir sous une autre forme et qu'on peut continuer à interagir avec. Je pense par contre que le monde est multiple, donc qu'il y a plusieurs espaces-temps qui sont différents et qu'on peut accéder à des choses qui viennent du passé ou des choses peut-être qui viennent du futur et des choses qui viennent d'autres mondes. Mais voilà, c'est pas forcément une personne qui est décédée qui revient, mais plus qu'on peut accéder à différents espaces-temps en fait. Donc ça se trouve, par exemple, si je perçois quelque chose d'un grand-parent, que c'est pas forcément ma grand-mère qui est là avec moi, c'est peut-être que moi qui accède à ma grand-mère dans le passé en fait. D'accord, ok. Super intéressant comme point de vue. Est-ce que tu as une histoire que tu as envie de partager avec nous ce soir? J'ai pas une anecdote incroyable qui fait hyper flipper ce soir, je pense. Elle en avait une. Mais cette anecdote doit rester secrète. Mais moi, je la connais et elle est dingue. Mais malheureusement, on ne la racontera pas parce que ça implique d'autres choses. Ça. Pour notre sécurité, nous n'allons simplement pas la raconter. Voilà. Ouais. Mais elle est assez dingue. Donc, elle a quand même une histoire de fou. Ça, je vous rassure. Mais voilà. Donc, je l'ai dit. Ça n'implique pas que moi. Donc, voilà. je peux pas me permettre d'en parler. Mais là, je peux rapidement raconter que en ce moment, chez moi, c'est un petit peu tendu, si je peux dire, dans les énergies parce qu'on fait beaucoup de travaux. C'est une maison qui date des années 1800 où il y a eu beaucoup de passages, beaucoup de personnes qui sont aussi décédées dans la maison, parce qu'à l'époque on décédait chez soi, hein, tout simplement. Donc voilà. Dans des endroits reculés comme ça. Et ouais, très clairement. Donc il y a beaucoup de choses qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'il y avait à la place de la maison avant. Oui. Voilà, il y a tout un contexte. Et on a commencé. Au début ça se passait bien. Là on a commencé à casser dans les murs, à faire des trous, etc. Et j'entends des choses, je sens des choses qui me réveillent la nuit et par exemple, ça toque. Ok. Comme si ça toquait. Ouais. Voilà. Et quelque chose qui m'a fait très fort penser à toi, c'est que ma chambre est au-dessus du garde-manger. D'accord. Et au niveau du garde-manger, on a mis en place une lampe qui marche quand on passe devant. Ok, oui, voilà. Comme dans ma cave. Voilà. Parce que c'est en fait, l'électricité fait que l'interrupteur était trop loin, c'était galère. Ouais. Bref, on a fait ça. Donc moi, ma chambre est au-dessus, je laisse la porte ouverte pour mon chat, en fait. Je vois si la lumière s'allume ou pas depuis ma chambre, en fait. Oui. Donc on est, mon mari et moi, mon chat dans le lit, et la lumière s'allume. Oui, ben je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, c'est pour ça que j'en parle. À chaque fois, je réveille mon mari et tout, il dit « Oui, mais c'est des vibrations, je sais pas quoi. » Et je pense que c'est peut-être explicable, tu vois, pourquoi ça se déclenche. Mais il y a un quand même insecte les ou... toc-toc-toc, tu oui, vois. Oui, dans les toc-toc-toc, ça c'est... Et pareil, mon mari me dit « Non, mais c'est la neige qui fond sur le toit et tout. » Je dis « Non, toc-toc-toc, c'est pas la neige qui fond sur le toit, tu vois. » Je sais pas, possible que ça me réveille. Oui. Et pourquoi pas lui, tu vois. Oui. Enfin, oui. Donc il y a un truc où je me dis, bon, il va falloir qu'après les travaux, qu'on réapaise, qu'on réapaise tout ça. Et tu n'avais pas fait un purifier ou nettoyer la maison avant de commencer les travaux ou demander en tout cas à ce que les énergies acceptent que tu fasses des travaux, parce que ça, c'est ce qu'on a fait nous ici. Oui. Et je dois dire qu'on n'a vraiment eu aucun problème majeur dans la maison. Si ce n'est ce que je te racontais à table, c'est qu'on avait du matériel des ouvriers qui disparaissaient. Donc c'était plus, on essayait de nous retarder. Gentiment, mais ça n'a jamais eu d'incidence grave sur les travaux. Moi, je connais certaines personnes qui vraiment n'arrivent pas à avancer dans leurs travaux, non pas parce que les ouvriers ne font pas leur travail ou l'entrepreneur décide de se barrer à un moment donné, mais vraiment parce que tout est contre eux au niveau de la maison, quoi. Alors, nous, en fait, donc oui, je suis à un rituel d'emménagement pour voilà, que ça se passe au mieux, expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Mais en fait, ça s'est déclenché à un moment donné, on a touché quelque chose qui ne devait pas être touché au départ. C'était pas prévu dans les travaux. Okay. Et en fait, c'est une maison qui a été construite sur plusieurs temps, en fait. La maison actuelle, au départ, maintenant, elle fait 180 mètres carrés, au départ, elle fait 60 mètres carrés. Ah ouais. Donc en fait. C'est quoi qui s'est éteint? C'est pas possible! C'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. C'est génial! Faut que ça s'arrête! À chaque fois quand tu racontes une histoire. Non, mais c'est pour ça. C'est pas grave, c'est pas grave.
Bienvenue chez Sayunjil. Ouais, la maison, elle a été construite sur plusieurs années. Et en fait, à un moment donné, on se rend compte que pour accéder à des tuyaux d'eau, il faut casser un mur. Et là, on découvre le mur d'origine de la maison. Et à partir de ce moment-là... Il s'est passé des choses. Ouais. Vous avez peut-être libéré une énergie Exactement. Qui était derrière. C'est ça, okay. Voilà. Et alors, pour raconter la petite anecdote que tu as eue ici, je te oui. laisse la raconter. Oui. Alors, en fait, je me suis offerte un pendentif d'un dieu, qui est le dieu cornu, Kernunos. Pendentif en argent, fait à la main, que j'ai fait venir des États-Unis, enfin, tout un tintouin, quoi. Hein. J'ai payé la douane et tout, enfin, ça coûtait cher. Oui. Donc, c'est pas le truc que tu poses comme ça non. à l'arrache, tu vois. Et 3 jours après l'avoir acquéri, il a disparu. Et bon, bah voilà, j'ai cherché partout, mais j'ai vite abandonné, surtout que la maison est en travaux. Bon, bref, j'ai dit tant pis, je le retrouverai un jour, quoi. Ça faisait combien de temps que tu l'avais plus vu? Ah, bah je l'ai pris dans mes mains, je l'ai posé quelque part, je l'ai plus revu. Mais ça date d'il y a combien de temps? Tu sais quand c'était que la dernière ah, oui, fois que tu l'as vu? Bah, c'est au moment où je l'ai reçu, c'était il y a 2 semaines peut-être. Okay. Ouais, non, c'est 2-3 semaines, quoi. Okay. Ça reste assez récent, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça se passe dans mon bureau et que je l'ai retrouvé dans mes vêtements. Mais oui, bref. Donc en fait, je viens ici, je prépare mes affaires hier, donc je monte mes habits du rez-de-chaussée à l'étage. Donc j'ai rien senti, c'est pas tombé, que dalle, ça qui est bizarre, tu vois. Et je pose mes affaires et ce matin, pour mettre ma chemise, j'ouvre ma chemise et bim, le pendentif tombe par terre. Dans ma maison. Mais alors, pourquoi dans mes vêtements alors que je l'ai perdu dans mon bureau? Enfin, je comprends pas. Mais c'est génial. Ah, je suis contente. Bah oui, mais c'est ça. C'est quelque chose de positif. Oui, je l'ai retrouvé. Ah oui, puis c'était un beau signe de me dire bah, je t'accompagne aujourd'hui. Ah, c'est trop bien. C'est vraiment super cool. Contrairement à. Alors, ça, il faut que je vous raconte parce que ça, c'est aussi exceptionnel. Sur une note quand même un peu plus bizarre, j'ai vendu le canapé qui se trouvait ici dans la pièce à un couple dont la femme est une abonnée à moi. Et figurez-vous qu'en repartant d'ici, c'est un couple qui habite à 3 heures de route, donc ils avaient une fameuse route pour venir chercher ce canapé. Mais ils le voulaient vraiment parce qu'elle était fan et que, à mon avis, voilà, le fait d'avoir une pièce du décor chez elle, c'était quelque chose de cool. Sauf qu'ils ont fait un accident de voiture, mais vraiment, ils étaient en camionnette, ils ont fait un très gros crash en voiture. La voiture complètement déclassée, sinistre total. Ils ont été percutés par un camion. Si je vous raconte cette histoire, c'est qu'ils vont évidemment très bien. Ils n'ont pas été blessés, ils n'ont rien eu, pas une égratignure, rien, pas une écorchure, pas un poignet foulé, rien. Et le fauteuil non plus. Voilà, et donc je ne sais pas si c'est le fauteuil qui les a protégés. Alors leurs amis ont un petit peu rigolé de la situation en leur disant qu'ils avaient acheté un fauteuil maudit. Et je leur ai dit que pour un fauteuil maudit, ils s'en sortaient quand même pas mal, puisqu'ils ouais, vont bien. Ouais, c'est fou, hein. Donc moi, je penche plutôt pour bah, le fauteuil était bien protégé et a protégé les 2 personnes qui se trouvaient dans le véhicule et qui, Dieu merci, vont bien aujourd'hui. Alors pas cool évidemment pour leur voiture. Heureusement, c'est ils sûr. Étaient en droit, donc l'assurance va tout prendre en charge. Mais je trouvais ça évidemment complètement... Ouais. Il fallait que ça arrive au moment où ils achètent mon fauteuil, quoi. Enfin, et je lui ai dit par téléphone, j'ai dit, il fallait évidemment que ça arrive avec un truc lié à moi, ça pouvait pas être autrement, c'est quand même complètement dingue. Donc voilà, donc on va bien laisser toutes les affaires maintenant qui sont ici, on ne les bougera plus, on ne peut pas les vendre ni les donner. En tout cas, Marie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes ces informations, ces instructions que tu nous as données dans cette vidéo. J'ai trouvé que c'était super intéressant et j'espère que vous aussi, ça vous a apporté beaucoup de choses. On essaiera encore de faire des vidéos sur le sujet avec Marie ou peut-être avec, avec une autre personnalité qui viendra nous rencontrer. Je mets évidemment toutes tes informations dans la description de la vidéo, ouais. Donc son site, sa page Instagram où vous pouvez la retrouver. Si vous êtes intéressé de faire une retraite par exemple chez Marie, n'hésitez pas à la contacter ou bien aussi vous abonner à tes formations que tu fais sur ton site. Donc tout à fait. Marie a sur son site un système, si je me dis des bêtises, tu me coupes pas, Marie, a donc un système de formation lié aux différentes pratiques selon le cycle avec la roue des saisons, avec les différentes lunes, où on peut apprendre plein de choses et où on peut évoluer dans sa pratique et surtout revenir vers toi si on a des questions ou des besoins particuliers. Donc ça, c'est disponible également sur son site, donc je vous invite à aller regarder. Il y a des podcasts aussi qu'on peut découvrir, que moi j'ai écouté en vacances en Grèce, au
bord de la piscine, c'était super intéressant. Je me suis fait tous les podcasts en vacances, c'était trop cool l'été passé. Et voilà, j'ai tout dit ou tu as encore d'autres choses? Bah non, juste dire merci en fait. Merci. franchement, et pour ma communauté qui verra peut-être cette vidéo, j'ai plutôt refusé jusqu'à maintenant de m'exprimer ailleurs que chez moi, dans ma sphère. Mm-hmm. Et voilà, merci du coup de m'offrir ce cadre de confiance et voilà, et pour ce bel échange. Et j'espère que j'aurai pu répondre un peu à des questions. Ouais. C'est pas simple parce que c'est des gros sujets, donc on fait que effleurer un peu tout, mais j'espère quand même qu'il y aura une des clés. Une question pourrait être une vidéo entière à chaque fois, en fait. On pourrait faire une vidéo par question, tellement il y a des choses à dire et tellement il y a des détails et tout ça. Je vais vous mettre également le lien, alors c'est pas du tout une collaboration, hein, mais je vous mets le petit lien dans la description d'Alliance Magique, comme ça si jamais vous avez envie d'aller découvrir des ouvrages, ils ont aussi des super beaux jeux de cartes qui sont disponibles sur leur site, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Au moins je sais que je vous invite vers quelque chose de confiance. Et alors je vais vous mettre également une ou deux boutiques ésotériques de confiance vers qui moi je me suis tournée pour acheter du matériel. Encore une fois, on vous le répète, ça n'est pas obligatoire, mais moi par exemple j'adore collectionner plein d'objets, donc j'aime bien acheter dans ce genre de boutique. Mais voilà, je vous mets une boutique en ligne en France qui s'appelle La Coupe des Fées. Ah oui, oui, qui est super, je trouve. Oui, oui, très connue. Les envois se font super rapidement, c'est super bien emballé. Enfin bref, moi j'ai jamais eu aucun souci avec eux. Et je vous mettrai une boutique belge qui est World of Nature, chez qui j'ai fait d'ailleurs une de mes séances de dédicace. Voilà, comme ça vous avez deux boutiques fiables, une en Belgique et une en France. Marie, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour toi dans le futur, et j'espère pouvoir te recevoir bientôt sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu, ce que vous aimeriez peut-être encore découvrir sur cette chaîne. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.